vlog. On est le mardi 12 janvier et il est Alexa, quelle heure est-il? Il est 5h40. Voilà, il est 5h40 et du coup Oui. je vais redormir un peu là, mais je suis réveillée depuis un petit moment. Et Je n'ai pas toujours raison, mais je ne mens pas. puis là, je vais juste grignoter un petit truc parce que j'ai un peu faim. Et après, je vais retourner m'allonger un moment. Donc, bah, je vais vous prendre avec moi dans la journée. J'ai un rendez-vous médical dans la journée à Grenoble. Du coup, voilà. Donc, je vous prendrai tout au long de la journée. Et puis, bah, voilà. Je vous dis du coup à plus tard. Là, je vais aller à la cuisine et voilà. À tout à l'heure. Voilà, il est 6h30 et là, je suis avec ma minette qui est en train de me baver dessus parce que quand elle est contente, bah, elle bave. Voilà. Elle est carrément à cheval sur moi. Ah, ma minette. Bon. Bah du coup là il est 8h30 et je suis avec mon chouchou, mon petit coquinou, hein, mon chachou. Il est venu me voir, me faire des câlins. Mon chouchou. Mon chouchou. Ah bah. Voilà. Là il y a l'autre petite minette qui vient me voir. T'es jalouse? Je fais des câlins à Cookie et toi tu viens me voir. Non, non, allez. Elle essaye de mordre. J'ai ma carte Carrefour là, qui est accrochée à mon portable. Et elle essaye de la mordre. Chouchou! Mon choupinou! Oh non, faut que j'arrête de dire mon choupinou. C'est pas mon choupinou, c'est mon coquinou. En fait, mon choupinou, c'était caramel et. Du coup, je suis souvent en train de dire mon choupinou alors que bah j'ai pas envie de leur donner le même surnom parce que enfin voilà c'est pas les mêmes chats, c'est pas on n'a pas pris Cookie pour remplacer Caramel et voilà j'ai pas je c'est juste que c'est un réflexe en fait de l'appeler comme ça parce que bah voilà. Mon bébé. Mon loulou. Je serais capable de le caresser comme ça pendant des heures. Vraiment. Un mon loulou. Bon, bah, il est 10h15.
je viens de prendre un Doliprane parce que j'ai mal à la tête. J'ai vraiment mal à la tête. C'est encore supportable, hein, mais ça me fait mal et je sais pas trop pourquoi. Du coup, je viens de prendre un Doliprane et puis je vais me reposer. J'ai un chat qui vient me rejoindre. Coucou Amaya. Coucou ma minette. Ah bon, bah, elle est partie. Il y avait Amaya, mais elle est partie. Voilà. Amaya, Yaminette, Amaya, Amaya, Yaminette, regardez, qui c'est qui est là, qui dit bonjour à la caméra, qui dit bonjour aux abonnés, bonjour les abonnés. Et c'est parti que je te pitrouille. Ah non, j'ai cru. Bébé. Et voilà, elle s'est installée. Et ben, je vous dis à plus tard. Là, je vais me reposer encore un peu. Et puis, après, je vais aller prendre ma douche. Enfin, je vais voir si je prends une douche ou si je me lave aux gants. Mais je vais faire ma toilette après. Et puis, je vous reprendrai là. Je vous reprendrai là après. Voilà. À tout à l'heure. Oh, coucou. Bon, bah, il est midi et demi. Et là, je vais faire mon injection d'antidouleur. J'avais un rendez-vous cet après-midi avec l'orthoprothésiste. Et en fait, j'ai trop mal à la tête. Du coup, on a annulé le rendez-vous et... Et il faudra que je reprenne rendez-vous parce que là, je suis vraiment pas très bien. Donc voilà, ça m'embête un peu parce que il fallait que je récupère mon corset. Enfin, c'est pas vraiment un corset, mais c'est un peu comme un corset. Et puis mes vêtements compressifs. Et ça fait un moment que je les attends, mais là... je suis vraiment pas bien, donc voilà. Et puis voilà, du coup, je voulais vous en parler parce que j'avais pas envie que vous l'appreniez autrement que par moi, et voilà, et je préférais vous en parler moi-même. J'avais pas envie non plus de mentir en disant, en n'en parlant pas, en faisant comme si de rien n'était. Mais oui, du coup, j'ai recommencé à prendre de la morphine parce que j'ai vraiment trop mal, j'ai de grosses douleurs. Et du coup, c'est... Pardon, ça a coupé parce que il y avait Amaya là qui est passée devant. Mais oui, je disais que du coup, j'ai repris de la morphine à cause des douleurs. C'était vraiment pas gérable et du coup, c'est vraiment compliqué. Et voilà, c'est tout en fait. Enfin, je voulais juste vous en parler, mais
Pour le moment, du coup, bah, je prends de la morphine et j'ai bientôt rendez-vous au centre antidouleur. Donc, je vais revoir avec le médecin de la douleur pour savoir ce qui est possible de faire pour soulager mes douleurs. Mais voilà. Voilà. Du coup, là, je viens de faire mon injection et je vais me reposer parce que je suis pas très très bien. Voilà, je vous dis à plus tard. Coucou, bon, bah, on est le lendemain et je suis désolée, je vous ai encore une fois, j'ai pas pu vous reprendre hier. J'étais vraiment pas bien hier, j'avais très mal à la tête, j'étais vraiment pas en forme. Là aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, là maintenant, ça va à peu près. Mais ce matin, j'avais plus mal à la tête, mais j'avais mal à la gorge. Et là, je viens de me boire un chocolat, oh, n'importe quoi, pas un chocolat, un thé, pas un thé non plus, une verveine avec du miel. Et ça m'a aidé un peu, là ça va à peu près. Je vais toucher du bois parce que j'aimerais bien que ça continue parce que là je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Donc, voilà. Mais bon, je pense que ça va aller. Je sais pas trop ce que j'ai. J'espère que c'est pas le Covid. Et voilà, je pense que je vais voir pour passer le test. Je vais essayer d'appeler la pharmacie pour voir pour passer le test. Mais je suis pas sûre qu'ils pourront me prendre aujourd'hui. Mais je vais voir s'ils peuvent me prendre au moins demain. Enfin, je sais pas, je vais voir. Donc, voilà. Bon, et du coup, je vais clôturer le vlog maintenant. J'espère que ça vous aura plu. Il n'y avait pas beaucoup de contenu. Donc, je sais pas encore ce que ça va donner. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!